Super, was sind das für Vögel da oben? C'est un poisson que tu as attrapé? Oui. Comment tu l'as attrapé? Avec la épuisette. Avec l'épuisette? Encore une sculpture soviétique. Demi-tour du lac d'Ohrid aujourd'hui avec la visite de Ohrid, passage par Struga et le petit village sur l'eau de Gachite. Voilà, des trucs intéressants, journée tranquillou, visite. Et là on se fait 700-800 mètres de dénivelé pour finir la journée avec la fraîcheur. Faut pas avoir à se le faire demain matin. Et puis aller faire un bivouac en plein milieu du parc de Galatitia. Alors on va avoir une jolie vue, on va monter à 1500 mètres demain le col.
énormes ces cailloux, t'as vu? C'est du grès. Punaise. Tu veux que je descende? On s'est embarqué dans un truc là, une piste complètement défoncée, on surfe sur les cailloux depuis un kilomètre là, dans la poussière au début avec les camions. On est sur le chemin de la carrière de marbre de Prilep là. C'est hyper impressionnant, tout à ciel ouvert, tout la montagne complètement disquée et des cubes qui partent sur des camions, des cubes de marbre. Voilà. On a encore pour certainement 3,5 km de montée dans on a l'impression d'être sur la plage, une plage de galets, à peu près ça, une plage de galets. On risque de galérer. Journée de caca, hein, pour pas dire autre chose. En plus de la piste longue de 40 bornes, piste pleine de gravier, on se paye un bon orage. Donc on s'est réfugié sous le tarp, le vélo à l'abri. Et puis voilà, ben, on prend un petit goûter, hein, on patiente, on est patient. Vélo, on l'enlève. Toujours bien choisir l'arbre sur lequel on s'abrite pendant l'orage. En l'occurrence, un mûrier. Une fois de plus, on se réveille au milieu des cigales, dans les champs de vignes. On a passé une super nuit. Hier soir, on s'est un petit peu fait dégager comme des malpropres de l'endroit où on pensait dormir. Une dame qui est arrivée juste après qu'on ait monté la tente, elle nous a renvoyé chez nous. Et donc, de nuit, on est allé, presque de nuit, dans le jardin à côté. Il y avait deux voitures qui venaient d'arriver. Et là, en fait, c'était super chouette. Une famille. Qui nous ont dit ouais, pas de soucis, mettez-vous là, il y a un bout d'herbe, c'était encore mieux que le truc précédent, tout mou. Et puis ce matin, ils nous ont apporté des abricots, des pêches, du jus d'abricot, délicieux. Aujourd'hui, on va repartir de Vélès, on va aller direction Kotchani, vers la frontière bulgare, pour quitter le pays certainement demain. Bon, ben on a survécu à une soirée un peu arrosée hier soir. On s'est pris 4 ou 5 orages d'affilée. En fait, il y avait des moustiques, il y avait des gitans qui sont passés, il y a eu la tente qui s'est à moitié arrachée sur une rafale de vent. Donc, c'était un peu compliqué hier soir. On n'a pas passé une super nuit. À partir de minuit, 1h, on a commencé à réussir à dormir.
Et ce matin, à 6h, on s'est fait chasser par le soleil qui nous faisait trop chaud. Et les moustiques qui étaient impossibles. Il était impossible de rester dehors. Donc on a fui. Résultat, on n'a pas beaucoup chargé. Et on s'est arrêté là, on se fait une pause. Il est quoi? Il est 10h30 du mat. On charge à 40-50 watts en roulant, alors qu'à l'arrêt, on charge 140 watts. Donc on fait le plein d'énergie dans le ventre et dans la batterie. Et puis on repart après vers Delchevo, qui est à la frontière bulgare. Un bon col à grimper, 600 mètres, pour passer un col à 1200 cet après-midi, dans la fin d'après-midi, papa, j'espère. Papa. Et puis après, après, c'est la Bulgarie. On est arrivé en Bulgarie hier soir avec une première nuit bien reposante, sans moustiques, sans vent, au bord du lac de Logodaj. Et aujourd'hui, on voulait aller essayer de dormir un petit peu au sud de Sofia, de la capitale, en ayant tracé une route via une nationale. Et en fait, quand on s'est retrouvé sur la nationale, c'était une voie rapide à deux voies, il y avait tout juste une bande d'arrêt d'urgence pour rouler, quoi. Donc demi-tour. On est reparti sur l'Eurovélo 13 qui part dans la campagne. Et là, on s'est retrouvé dans la montée avec un Bulgare qui parle à moitié espagnol, à moitié russe, qui nous a invité à prendre le thé chez lui. Et puis, on s'est fait une petite pause sympa comme ça chez lui. Direct après être reparti, on s'est fait une méga descente de trail, VTT, tout ce qu'on veut. C'était sur le tracé de l'Eurovélo 13. Bon, c'est pas encore parfait pour les carrioles. C'est bon pour les VTT, mais pas pour les carrioles. Et puis là, ben, on remonte doucement la vallée de la rivière jusqu'à Kudenstil, qui est une ancienne station balnéaire romaine. Et voilà. Et demain, on atteindra certainement la destination qu'on avait prévu d'atteindre aujourd'hui, au sud de Sofia, pour reposer un petit peu, parce que ce week-end, il y a de la pluie prévue, donc il faut qu'on s'y prépare. Voilà. Voilà ce qui reste à part, financé par l'Europe en 2013. Voilà. Voilà. Allez. Là, je ne sais pas trop par où passer. J'aurais dû pousser derrière peut-être. Ah ouais,
c'était pas de la tarte ça. Les cailloux ? Ouais. Ah, mais ça c'est l'axe du moteur. Et bien, on est bon pour changer la roue entière. On descend. Ah oui, tu vas pouvoir descendre, mais c'est pas tout ça. Hein. Voilà, maintenant il faut arriver au camping. C'est pas comment. Bon, eh bien, on se retrouve avec nos vélos à la main. La remorque à la main, parce que l'axe arrière du moyeu arrière du vélo a cassé. Donc, et comme c'est un axe un peu spécifique au moteur électrique, eh ben on n'est pas rendu. Donc, voilà, on va essayer de trouver un endroit pour se poser, trouver une pièce de remplacement, faire la réparation, et ça peut durer. Sur la main, tout d'un coup j'ai cru que c'était un caillou, mais en fait non, il y a un oiseau qui a réussi à viser mon poignet. Je me suis fait dessus là.